Je suis très fier de ce qu'elle fait, ma fille. Et je suis très fier parce que... D'abord parce qu'elle a choisi de s'appeler Smet. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Elle est formidable. Elle a presque fait à votre place, finalement, de s'appeler Smet. Ouais, ouais, elle a bien fait. Elle a bien fait parce que, vous savez, quand on est enfant de personnes connues, d'artistes connus, sa maman est très connue et comédienne réputée. Moi, je suis bon, je suis connu. C'est difficile pour les enfants de prouver aux gens qu'ils existent. Elle a pas pris le nom de Hallyday, elle a pas pris le nom de Bay. Ça s'appelait Smet. Et ça, je trouve ça formidable. Mais quand vous l'avez vu pour la première fois dans Les Corps Impatients, vous avez été très surpris, c'est un film très, très difficile. C'est-à-dire que j'étais content d'aller voir le film, et puis j'étais un peu choqué, parce que bon, c'est vrai, j'ai vu ma fille dans une situation que c'est ma petite fille quand même. Bon. Bien sûr. L'avoir nue, l'avoir le crâne rasé. Elle a un cancer dans le film, elle est rasée. Voilà, et l'avoir dans des scènes comme ça, bon, même quand ils sont grands, on les voit toujours petits. Bien sûr. Alors sur le moment, ça m'a fait quelque... c'est vrai, ça m'a fait quelque chose. Et puis, mais quand je suis sorti de là, j'étais choqué, mais en même temps très agréablement surpris, et puis très fier, et puis très heureux. En tout cas, moi, je suis toujours ravi de vous voir moi, au cinéma. J'aime le cinéma. Mais moi, j'aime beaucoup vous voir au cinéma. Donc, ne changez rien. Merci. Merci à vous. Merci à vous.